Wesh les potes, bienvenue aujourd'hui les amis pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les potes, on va arrêter d'être gentils, on va un petit peu s'amuser. J'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui me demandaient de faire chier des joueurs. Donc je sais pas si ça vous fait plaisir. En tout cas, je vais participer à votre chose, hein, parce que moi j'écoute ce que mes abonnés veulent. Tu vois ce que je veux dire? Non, en même temps j'ai bien envie de m'amuser, parce que je vous avoue aussi qu'avec le Chirax, mon mode menu, bah je me suis pas réellement amusé avec. J'ai toujours drop et j'ai pas réellement utilisé le plein potentiel de ce mode menu. En tout cas les amis, avant que la vidéo commence, n'oubliez vraiment pas de mettre le like, parce que c'est ça qui me permettrait de pouvoir être mis en avant, de pouvoir réussir dans ma vie sur YouTube, parce que c'est très difficile et que j'ai envie d'en vivre et que je vous fais partager les best moments avec moi et je vous fais partager même de la thune sur le jeu, c'est que ça prouve que vous me devez quand même quelque chose, tu vois. Donc le like, l'abonnement, c'est gratuit, ça vous coûte rien, ça me coûte la vie, on est jump. En tout cas les amis, si vous souhaitez me soutenir gratuitement, je viens de vous dire comment le faire, mais si vous souhaitez me soutenir avec un petit peu de revenus, vous avez des abonnements sur ma chaîne qui vous permettraient d'avoir énormément de contenu en plus, ne plus avoir de pubs sur mes vidéos, pouvoir participer à ma vidéo, pouvoir avoir des dédicaces, bon ça c'est un truc que j'ai mis en plus parce que je me suis inspiré un petit peu du T-Bone Shape, tu vois, pouvoir avoir des émotes nouvelles sur ma chaîne YouTube, vous allez les voir dans les commentaires si vous voulez kiffer ou pas. Vous pouvez avoir aussi bien entendu des grades sur la chaîne YouTube, à côté de votre blaze il y aura un logo seulement pour 1,99€ par mois. Donc si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moyen, mieux que les dons, mieux que tout autre au monde, c'est ça les gars. Et pour les personnes qui n'ont pas les moyens de me payer quoi que ce soit, mais qui ont envie de m'aider, vous avez un lien dans la description, c'est le lien Swagbuck, le partenaire de cette vidéo-là. Ce lien me permet, avec votre inscription, déjà de pouvoir gagner 1€ à chaque fois que quelqu'un s'inscrit et valide son adresse mail. Et par-dessus ça, moi, ça me permet de voir qui s'est inscrit et en même temps qui je pourrais modder dans le futur. Et vous aussi, cette inscription-là n'est pas inutile pour vous, parce que cette inscription-là, à vous les amis, elle vous permet aussi de pouvoir gagner des cartes cadeaux. Et je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. En tout cas, on vient d'arriver sur le jeu. C'est hard. Putain, avec mon nouveau logiciel de rec les refs, je suis en perte d'FPS constante. C'est dingue, je suis à 50 FPS alors que le jeu, je le fais tourner à 200 pratiquement, tu sais. Bon, après, le mode menu, il bouffe énormément aussi, je vous avoue. Bon, on va commencer à se mettre jombe. Je me suis déjà préparé, mais j'ai pas préparé mes armes. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va commencer réellement à troll des personnes. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va coûter à ma vie. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, on se prépare bien, tu vois. Elles sont où les armes, là? C'est weapon, je suis aveugle, celle-là. Ok, donc pas de recul. J'ai des aimbots, là, mais il n'y a rien d'utile à mettre un aimbot sur GTA. Ni sur Call of Duty, ni nulle part ailleurs, d'ailleurs. On va mettre du coup l'infinite ammo, le rapid fire, ce qui veut dire que j'ai des balles illimitées et que je tire rapidement pour les personnes qui n'ont jamais réellement vu des modes menus ou que ce soit. On est combien dans la session? On est 27. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un petit peu à y aller molly mollo. Hop là, c'est parti. Alors on va se déplacer comme ça. Là on voit qu'il y a un frérot qui a un petit avion. Le but de Tonton Goten, c'est quoi? C'est de commencer un petit peu à leur montrer que... il va falloir arrêter avec vos petits avions, quoi. C'est parti, on commence à voler. Là, piou piou piou, on commence à drop, on commence à drop. Théma, Théma, l'avion, il tourne. Il tourne pas. Ah si, mais il perd de la vie, mais il tombe pas, le mec. Oh, c'est quoi ce coup dur? Moi, je croyais que ça allait le faire tomber et tout. Là, il est en train de cramer. Là, il crame. Explosion, boum. On a vécu un attentat en direct et c'était moi l'auteur de cet acte. Merde, coup dur. Bon bah on peut faire chier qui d'autre alors. Là il y a des gens qui sont chez eux. Là il y a un mec en voiture juste ici. Deux mecs en voiture juste ici. Youhou, on est en train de les faire voler. Bonjour, bonjour. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en invisible, parce que mine de rien, je pense qu'ils peuvent très bien voir ma gueule, tu vois. Je me mets en invisible, au moins c'est sûr. Ah merde, je suis resté trop longtemps hors map, je suis mort. Au moins c'est sûr qu'ils vont pas me voir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Donc ils sont là les deux frérots. On va se mettre juste ici. Ah putain, ça m'a enlevé les armes. On va se mettre juste ici. Hop, et c'est parti. Théma, sale couze. Ça vole. Théma Ramos, model, model in the missions. T'es ta grosse mère, frérot. T'es toi. Théma, ça. Eh, c'est swag. Qui dit swag encore? Bah, le seul connard qui peut niquer les games des gens. Shima, taille-toi, gros. Retourne là où tu viens, gros. Retourne chez toi. Oh, c'était raciste. Alors qu'il n'y avait rien de raciste, je voulais juste dire retourne chez toi. T'as compris? Je ne peux pas être raciste quand je suis croyant. Voilà, oh, ça c'est la meilleure des choses à dire. Please, not now in the missions. Oh, le bâtard, il est en mission. Ça, ça va être drôle. Youhou. Et...
Non, il a réussi. Il a réussi, le bâtard. Il a réussi à y aller, la fripouille. Cette arme, elle est exceptionnelle, gros. Là, mon ref, ça va partir sur un... Je sais pas, moi, on va t'enflammer, comme ça. Voilà, brûle. Allez, brûle, mon ref, brûle. Mets-toi de jambes. T'imagines, il doit péter un câble, gros. T'es ma mec. Vas-y, c'est un clip de rap, frérot. Ziak sort de score. Il a envie de rentrer, hein. Il a envie de rentrer dans son appart. Tu ne rentreras pas dans ton appartement. Tu vas brûler comme tout le monde. Non, attends, on va pas commencer à le tuer. Ce qu'il faudrait faire, c'est trouver un truc. Bah, mis à part ce gun, je comprends pas qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre. Là, il va croire qu'il peut rentrer. Bon, déjà, lui, il rentre pas. Mais, eh non, un coup dur. Putain, l'autre, il a réussi à rentrer, j'ai les balls. I have the big balls. Là, on va commencer à niquer leur voiture, hein, parce que nous, on est comme ça. C'est un petit peu le but. Lui, il a pas compris, il s'est dit what the fuck, pourquoi il y a autant de trucs comme As là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis mort. T'as vu le demi-tour qu'il a fait? Oh, c'était trop beau cette image. Cette image, elle était trop belle. Nous, on va le faire chier, lui. On va lui tirer dessus au pistolet. Comme ça, il comprend R. Ok, là, il est en train de stressage au max. Ta voiture, mon gars, elle va être rouillée. T'es mal, comment il est fier. Hop là! Oh putain, il a réussi à s'en sortir! El bastardo! T'es moi comment il booste? Je sais pas! Il est trop chaud, frère! Il est parti où? Je l'ai perdu, sérieux! Ah non, il est là! Putain, je me suis dit, putain, il est chaud le cousin! Ah, mais il a un nitro sur sa vago! Ça me fume. Attendez, d'ailleurs, peut-être qu'il y a d'autres modeurs dans la session et il va falloir que je les kick bien mal. Putain, il s'est mis dans l'eau. Regarde Théma, je l'ai vu la dernière fois au casino. Et voilà, comment il a les balls. Théma, putain, il vole bien avec sa caisse, le cousin. Nous, on va juste prendre notre pistolet propulseur, comme ça, il volera encore mieux. C'est parti. Hop là, on dégage mec. On retourne, je sais pas où, mais tu retournes. Je vais plus redire le truc parce que je pense que je vais me faire blame alors que je suis très très social et jovial. Wow mec, je les tèche de loin. Regarde, il s'est barré avec sa Twingo là. Recasse-toi par là-bas là. Voilà. Dans l'eau, mais t'as une voiture flottante, frère. C'est quoi GTA de nos jours? De pire en pire. Et il va quitter. Il va quitter la game. Non, il est parti. Dommage. Ok, bon, bah, je viens de me faire insulter. Bon, tout va bien, genre, tranquille. Alors, qu'est-ce qui c'est que je peux faire chier par ici? Bonsoir, bonsoir, monsieur. On est... Wow. Il y a une petite vago bien. Hein. Elle est bien, sa vago. Hein. C'est quoi? C'était la T20, celle-là, je crois. Plus trop de souvenirs. Eh hey, mais mec, je te jure, cette arme, elle est incroyable, gros. Elle est incroyable. Et là, poum, poum, poum. Là, le ref, il est pas bien. Là, il se dit, couillasse, il y a un problème, gong. Je suis vraiment un gosse. Vol. Vers l'infini et au-delà. Je crois qu'il est en train de kiffer. Est-ce que tu crois qu'il kiffe alors qu'il vient de perdre 90% de sa voiture là? Moi, je pense qu'il kiffe. Wasped, il doit être level 2, je crois, ou une connerie comme ça, parce qu'il n'y a personne qui roule avec cette voiture. Hein. Je suis désolé, frérot, hein. C'est pas que je t'aime pas, mais... Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire cramer sa bago. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il commence à sortir. Oh, fuck, ils sont en train de tuer ma voiture. Je suis mort. Là, il s'est nachave, mon ref, en mode nique sa grosse mère. Oui, je viens de tomber sur lui, il peut pas se relever. Il est parti où? Il est là-bas. Oh, il faut qu'il se fasse écraser, ce serait exceptionnel même. Que dirais-je? Vas-y, prends la vago. Bien. Je t'abandonnerai pas, gros, t'es pas au courant. Je ne t'abandonnerai pas, frérot. Voilà, t'es mal, je te fais faire des stuns gratos, mafia stunting, il est en sueur, là. Oh,
Il a quitté la game. Il a quitté la game. Putain. Il y a tout le monde qui rage quitte en fait. Bon, après c'est très normal, c'est très probable aussi du coup. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui quitte. Voilà. Et tu restes coincé, hein. Que je te revois plus. Putain, j'ai envie de check. Bonsoir, bonsoir, Will Dick. Il a quitté la game. Fuck. Bon, on va chercher quelqu'un d'autre. Et en vrai, en soi, c'est très drôle. C'est très, très drôle. Mais ça fait très, très chier pour eux. Et sachez que je vais aller check des gens. Eux, ils sont là. Poum, poum, poum. Bonjour, il y a une moto présente juste ici. Que se passe-t-il, messieurs? Comment ça se fait, est-ce qu'il y a une moto? Oh, il se fait déj, mon ref. Tu peux plus la rouler, ta vago, frère. Il comprend pas. Il comprend pas. Oh, il est parti. Reviens ici, Jean-Wilfried. Je veux niquer ton système électronique. Voilà, ça déj. On préfère. Il est où le tireur d'élite, là? Il est là, là. Youp. Bonsoir, bonsoir. Je crois qu'il pourrait... En vrai, le pire dans l'histoire, c'est qu'ils sont là, ils regardent, ils disent « Ouais, bon, bah ok, quoi, il y a une moto volante et une moto invisible, bah c'est la street, quoi. » Ah non, je l'ai pas eu. Lui, comment qu'on peut le faire... comment qu'est-ce qu'on peut faire pour le niquer, sa grosse daronne, à lui? Celui-là, bah j'ai trouvé. Oh, mec. J'ai capté. Ah bah ils sont morts. Ils sont morts les deux. Théma, il est en train de regarder en mode je vais le choper à lui. Tu vas rien faire du tout, mon ref. Tu vas juste te prendre, poum, une tête. Et tu te dis, mais d'où ça vient, poum, une autre balle. Oh bah, ça vient d'où? Bah je sais pas, hop, une autre. Bah, wesh, comment ça se fait? Et là il se fait shooter par les queflis. Et du coup, bah il va mourir à cause de moi. Hop là, ciao frérot. À la semaine prochaine. C'est drôle quand même, c'est très très drôle. Falloir que je trouve juste le pistolet qui... C'est où ça? Weapon, le pistolet qui est électrique. Celui-là il claque. Pistolet paralysant là, il est là. Pour la fin de cette vidéo là les amis, on va voir si je peux réussir à gagner quelque chose au casino là. Ça c'est la dernière des nouvelles, des dernières. On va voir si je peux réussir à gagner quoi que ce soit. En tout cas d'un serveur de 27 joueurs, on est passé à 5 puis on repasse à 8. Donc du coup ça va, comme quoi les serveurs ils refonctionnent toujours un petit peu. Mais je vous avoue que franchement c'est vrai que ça fait très rare de niquer les games des gens. Donc si vous avez la possibilité d'avoir un mode menu, n'hésitez vraiment pas à ne pas niquer les games. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont commenter cette vidéo en me disant « Ouais Goten, t'as enculé et tout ». Bon, moi c'est pour le plaisir et pour vous divertir. Certes ça fait chier les gens, mais ça les fait chier pendant 2-3 minutes, pas plus. Genre je suis pas dans la mystérie, obligatoirement je... Oh clothing, mais wesh. Frère, pourquoi vous me donnez des vêtements? Moi je veux partir avec la voiture là, c'est quoi cette voiture? Je veux partir avec. C'est quoi la vago là? Qu'est-ce qu'il nous donne? Une Sugo. Et clac hein. Attendez, j'ai envie de trouver la voiture là. Ils ont dit c'était quoi? C'était une Sugo. Alors, véhicule dans spawn. Je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça. Hein. Ah si, elle est là. Ouais, elle claque sa mère. Bonsoir, j'ai la Sugo Sport. Non, non, par contre, toi, tu rentres pas avec moi, frère. Par contre, on va aller dans véhicule. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire max upgrade. What? Wow. Eh, elle claque sa grosse mère. Yep. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez réellement pas à me le montrer avec le petit like, l'abonnement. Et le fait que vous aimez ma chaîne, quoi, genre, n'hésitez réellement pas à me le prouver. Moi, je vous fais de gros bisous, les amis, merci énormément d'être resté sur cette vidéo GTA. Je vous fais de gros bisous, ciao tout le monde, c'était Goten.